mon premier ministre et quitter fonction dans le cabinet Laurent Lamothe à l'époque, on dit nous 2012-2013. Quitter fonction pour dans le cabinet Laurent Lamothe. Moi, je rejoins le cabinet Laurent Lamothe comme conseiller juridique, d'abord, tout d'abord à titre de directeur du cabinet. Et puis, trois mois plus tard, moi, il faut retirer, moi, j'étais plus dans les dossiers juridiques pour que nous t'aider, premier ministre, délivrer sous promesse. D'ailleurs, ça fait partie du succès que M. T. joint exécuté. Et pour Gélio, c'est suivi. Donc, c'était responsabilité par nous pour nous assurer nous que nous concrétisons pour mettre ce qui fait. Par exemple, là, tu vas construire l'école, faut qu'on passe par toute procédure pour qu'on soit capable de réaliser pour mettre ça. Et c'était le cadre de travail, ça, mais nous t'étais assuré nous que nous faisons dans la légalité. C'est le cadre de travail, ça, de nous été et que nous t'étais assisté pour mettre ça jusqu'en 2014. Est-ce que ça veut dire que tu as une liaison tout entre ou même cabinet qui a géré question? Et justice sous les droits et avec est-ce que tu as une liaison entre ou même et ministère et justice et sécurité publique, est-ce que tu as des rapports de lien? Pas seulement ministère justice mais tout l'autre ministère qui est en dessous de la primature pour assurer que et le premier ministre pour engagement que l'y respecte et c'est son obligation que le gagne que un premier ministre c'est pas n'importe qui le font leur engagement faut le respecter. Le travail nous c'était assurer nous que nous fait coordination au niveau des différents ministères et des organismes de l'État pour que pour ne ça les concrétiser toujours certainement dans le respect des normes et de la loi. Salim Souka sont techniciens mais pas un politicien, est-ce que vous pouvez préciser ça pour moi? Absolument, absolument. D'ailleurs, vous avez remarqué pour pas pour même les médias trop souvent, parce que de formation, nous sommes juristes, nous travaillons sous code pénal, code procédure pénale avec René Magloire, sous président Préval, moi mettre en place UCREF, CNLBA, ou pas tant de bagages dans le public. Donc, travail, nous son travail technique, son travail de terrain, et c'est pour un travail qu'on va le faire joler dans la rue ou bien mettre bagarre dans la rue. C'est pas comme ça que nous travaillons, nous n'avons pas une formation. Ça non plus, c'est pas une formation juridique, on va devoir de réserver tout. On va parler de tout ce objet. Très bien. Mais fait document à l'appui, rapport expliqué, tu as gagné un contrat, ministère et justice et sécurité publique. À l'époque, c'était Jean-René Sanon, ministre de la justice, c'était signé avec Israël Weapons. Dis-nous, qui t'es implication dans le dossier ça? Eh bien, travail nous, étant donné que décision, le PM l'a monté, réalisé à bon bilan, que la police a besoin d'équipement, il a besoin de matériel, nous même travail, nous, c'est ton travail de coordination, assurez-nous que nous mettons fou que comment ça y est placé, que procédure passation marché public, que procédure administrative qui prévoit par la loi respectée, et dans le cadre de travail, ça a tout assurer que besoin est satisfait. Donc, c'est le cadre de mission ça, que nous assurons nous, d'abord que le ministère est placé au bon de commune. Ensuite, d'abord, vous préparez un appel d'offres restreint, comme on a parlé de sécurité nationale, de la réinformation, ça va être supposé dans la rue. Je vais traiter des dossiers de sécurité nationale. Donc, je vais me préparer comme ça, ou à souhait que le contrat est signé en bonne et due forme, que respecter toutes les normes de passation de marché public, ou faire approuver par la Cour des comptes, et ensuite, ou expédier avec document à institution financière pour remplir l'engagement. Et puis ensuite, le équipement, le matériel disponible, ou à souhait que la police, avec entité qui concerne eux, aller prendre réception. Mais il y a une information qui t'a fait quoi que Amerijet, premier lot qu'entre eux, premier lot 200 Galil qui rentre eux, c'est Israël, dans le document la douane, c'est nom qui t'est affiché. Pour qui ça, c'est nom qui t'est affiché dans le document la douane? Eh bien, comme on connaît, le cadre de coordination, le travail de coordination, là, fait, je suis une responsabilité pour m'assurer que toute commande qui a passé, puis on va parler de commande d'armes à feu, ce n'est pas
si ma mi du bien ça farine on commande des instruments et qui a causé la mort. Donc c'est très important que gagne une surveillance ou contrôle qui effectue l'en commande ça. Et donc travail mais comme notifié personne notifiée c'est faire coordination avec le ministère de la justice, police nationale et même la ministre à l'époque pour assurer que le commande ça arrivait, il y a le recevoir en bonne et due forme. Et d'ailleurs, je me souviens très bien que dans le cas ça particulièrement, c'est un contingent ministre avec un contingent police nationale qui a recueilli et qui a accusé réception de documents et matériels, et puis qui a entreposé l'un et un dépôt qui a deux cadenas là-dedans, un cadenas ministre avec un cadenas de la police. Donc, c'était un travail qui était tout à fait normal, qui était dans le cadre et responsabilité nous comme personne responsable et puis pour assurer tout que bagarre la fête dans les normes et que pas gagne ni gaspillage ni vol. Oui, mais il y a des gens qui ont toujours posé question. Un membre cabinet pas capable de représenter l'État directement et qui ça expliquer que parce que ou sont contractuels ou pas gagne gros engagement d'ailleurs ou pas gagne rentrer à l'époque dans Sénat République là pas gagne contrôle qui a fait sous la Cour des comptes pas carrelo mais pour qui ça c'est non pas. L'ITK, par exemple, et ministre justice, là, l'ITK, on l'autre monde, mais pourquoi c'est ou même qui c'est un juriste qui a une question de droit, si ou même qui a une idée de l'administration publique, tout, pour qui ça c'est ou même qui a un engagement ça? Permettez-nous juridiquement, montrez-nous pour qui ça c'est ou même. Justement, pas oublier que le document, il y a un récipiendaire. Récipiendaire, là, c'est pas. La primature qui est récipiendaire. Récipiendaire, c'est la police nationale, c'est placé comme une. La primature est comme organe de coordination, elle est notifiée. Et si le document n'est pas falsifié, document que l'ancien député a réclamé, ce n'est pas des documents falsifiés, après que c'est une notification et non pas un destinataire. Notification, hein, c'est normal. C'est comme moi, pour recevoir une marchandise, je dirais, il est tellement de recevoir marchandise. Tel monde lui-même l'a notifié récipiendaire pour que il prenne les dispositions nécessaires pour la recevoir équipement. Et c'est exactement ce qui a été fait. Donc les déclarations gratuites, les falsifications ou bien les réclamations qui se font à partir de une déclaration ou bien une accusation qui n'est pas basée sur preuve. Et n'importe qui a fait, mais nous n'avons pas habitué à faire travail. Mais vous précisez pour nous, est-ce que le document ça, tu as gagné un destinataire, comme si vous avez dit, mais qui est-ce qui a pour remettre le document? Est-ce que c'est vous-même qui t'as cherché? Jamais, David. C'est pas nous pas destinataire, nous notifier. Qui est-ce qui est destinataire dans le document ça? Dans le document ça, la police. Ou on copie, quand même, non? Comment vous êtes notifié? Bon, pas oublier, c'est la police qui reçoit, donc c'est la police qui gagne un connaissement, parce que son chip n'est lié. L'envoyer un matériel et accuser réception de documents, c'est particulier qui est lié, qui gagne droit à lire. Ou bon, connaissement, ça, c'est la police nationale qui reçoit à travers le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, c'est autorité du tel là. Donc, le ministère de la Justice reçoit documents, mais ils ont notifié nous. Et notification, ça, c'est simplement un courriel que vous voyez pour nous, pour dire attention, et que chaque médecin a privé. Donc, nous assurons que coordination est faite pour que la recevoir. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Donc, les documents originaux de réception, qui c'est au connaissement, c'est récipiendaire, c'est mon qui doit récupérer matériel, ça, c'est lui-même qui recevait original, ça. Et dans le cas d'espèce, c'est le ministre de la Justice, le ministère de la Justice. Donc, nous-mêmes, ils notifient nous, mais ils disent nous, mais comme on qui placé, mais comme organe de coordination, mais comme on est disponible, le ministre lui-même, il s'assure que la police, avec en coordination avec nous, que la police, avec la ministre, elle recevoir. Mm-hmm. C'est tout simple. Mais rappelez pour le public, là, qui est-ce qui t'a fait commande là? Qui organe, qui instance dans l'État qui t'a commandé, Zamio? Le document où est qui disponible, la commande a été placée par l'autorité de tutelle de la police nationale. C'est la loi. Du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Ministère de la Justice et de la Sécurité publique par l'organe de son ministre qui était Jean-René Nelson.
Ce contrat a été fait en bonne et due forme, lui fait, selon les normes de préparation de marché public, et lui même approuvé par la Cour supérieure des comptes et du Conseil contentieux administratif, ce qui est exigé par la loi. Donc, contrat fait dans les normes, travail de coordination primature, assurer que le contrat transmette aux autorités nécessaires, que documents sont rassemblés et que et matériel et, qui accompagne le contrat, qui était les descriptifs et les ordres, les bons de commande et puis les certificats, ça les end-user certificates. Donc, tout ça, on a assuré nous que nous adjoignons et Israeli Weapon Industries qui était. Qui était fournisseur là, alors m'a profité pour me dire tout. Et ça qui est arrivé dans le commandant, c'est que nous pas servi avec intermédiaire. Vous connaissez l'ouvrage de sécurité nationale, il y a gagné des dérogations, il y a placé comme ça. Donc nous avons décidé pour économiser l'argent de l'État, pour ne pas passer par intermédiaire. Et c'est certainement ce qui est la cause que le document a fuité. Parce que, autrement, qui j'ai le tabou, j'ai un document, ça. Ça fallait que la police nationale accuse réception en bonne et due forme de équipement pour que eux-mêmes soient satisfaits exigences par eux. C'est ça. En tout cas, merci un pile, merci un pile. Oui, je te reçois très bien. Merci, merci. Je te reçois très bien. Oula. Oui. Vas-y. Ok. En tout cas, je te reçois très bien et. Conclusion, bon, mais c'est garder ça avec aujourd'hui. Hein, et Oui. Vous m'avez continué la côté. Je vous ai. Oui, vas-y. Oui, na pose une dernière question. Jodi, hein, yo et indexé Laurent et Salvador Lamotte et Canada prend sanction contre lui comme moun qui t'a dans question financement gang. Et où tu travailles avec Laurent Lamotte et dossier ça qui a parlé qui a rapport avec Zam qui t'est venu et que on se dit c'est notifié ou dénotifié ça et gien moun qui dit 200 Galiléo rentré yo pas connait trace qui route yo fait et l'autre ndé yo mettez non Laurent Lamotte dans liste qui premier baga ou dit tout. Bon et moi pas gagné détail qui derrière décision ça. Mais si c'est pour gouvernement et Premier ministre Lamotte, c'était le gouvernement qui était plus respecté les normes lorsqu'il s'agissait de transactions et de marché public. Deuxièmement, nous pas capables, dans la situation terrienne, que nous avons boumé contre gang, armé la police, bail ou équipement, nous n'avons pas de jambé auparavant. Et puis c'est une période ça que nous avons mis sous dos, Premier ministre, nous pas quoi. Baka prononcer pour l'après 2014 parce que mon patron politique retourner dans le cabinet mon grand avocat, mais pendant cette période là nous avons été les ardents défenseurs du droit et de l'obligation qui était faite pour que l'état de droit lui renforcé et que la police ait des moyens pour que lui remplisse mission. C'est ça. En tout cas, merci un peu, Salim Soukara, à bientôt. Avec plaisir. Voilà, et merci un pile, et